J'ai confiance en l'Amérique. L'Amérique, elle a fait ma fortune. J'ai élevé ma fille comme une véritable Américaine. Je lui ai dit, tu es libre, mais surtout, tu ne dois jamais déshonorer ta famille. Elle avait un petit flirt, pas un Italien. Souvent, ils allaient au cinéma. Elle sortait très tard, sans que je proteste. Il y a 2 mois de ça, ils font un tour en voiture avec un ami de son flirt. Ils l'ont obligé à boire du whisky. Et alors, ils ont essayé d'abuser de ma fille. Elle a résisté. Elle a sauvé son honneur. Alors, ils l'ont battue, comme un animal. Quand je l'ai vue à l'hôpital, son nez était brisé et sa mâchoire fracturée. Ça tenait avec du fil de fer. Elle n'arrivait même pas à pleurer tellement elle avait mal. Mais moi, j'ai pleuré. Pourquoi j'ai pleuré comme ça? Elle était la lumière de ma vie. Une belle fille, gracieuse. Elle ne sera plus jamais belle maintenant. Scusi. Alors, je suis allé à la police, comme un vrai Américain. Ils ont fait un procès pour ces 2 chiens. Le juge, il les condamne d'abord à 3 ans de prison et il leur accorde un sursis. Une peine avec sursis. Ils sont repartis libres le jour même. Je regardais la cour comme un pauvre idiot. Et ces 2 bandits, ils m'ont souri à moi. Alors j'ai dit à ma femme, pour la justice, il faut aller voir Don Corleone. Pourquoi vous n'êtes pas venu me voir tout de suite au lieu d'appeler la police? Qu'est-ce que vous voulez de moi? Demandez-moi tout, mais donnez-moi ce que je vous demande. Qu'est-ce que vous demandez? Non, ça, je ne peux pas. Je paierai tout ce que vous me demanderez. On se connaît tous les deux depuis des années, mais c'est la première fois que vous venez me demander un conseil ou un coup de pouce. Je ne sais même plus à quand remonte la dernière tasse de café que je suis venu prendre chez vous. Pourtant, ma femme est la marraine de votre seul enfant. Alors, un peu de franchise. Vous avez repoussé mon amitié. Parce que vous aviez trop peur d'être mon débiteur. Je ne voulais pas avoir d'ennui. Oh, je comprends. Vous aviez le paradis en Amérique. Une affaire qui tournait, une bonne petite vie tranquille, la police, les tribunaux pour vous protéger. Vous n'aviez pas besoin d'un ami comme moi. Aujourd'hui, vous venez pleurer chez moi en disant « Don Corleone, rendez-moi justice ». Est-ce que je vois un peu de respect? Est-ce que je sens un peu d'amitié? Est-ce qu'il vous vient l'idée de m'appeler parrain? Non, vous venez chez moi le jour où ma fille Connie se marie et vous offrez de me payer pour un meurtre. Un meurtre. Est-ce que je demande, c'est la justice? Je ne sais pas, justice. Votre fille est toujours vivante. Je vais les voir souffrir. Autant qu'elle souffre. Combien faut-il payer? Voilà, celle. Voilà, celle. Qu'est-ce que je vous ai donc fait pour que vous me parliez avec aussi peu de respect? Vous seriez venu à moi comme un ami. Alors les voyous qui ont touché votre fille seraient déjà en train de souffrir. Et si par hasard un homme comme vous avait se plaindre d'un ennemi, alors son ennemi deviendrait le mien.
Il aurait très peur de vous. Soyez mon ami. Parrain. Bien. Un jour, et ce jour ne viendra peut-être jamais, je vous demanderai de faire quelque chose pour moi. Mais, en attendant ce jour, je vous offre ce service en l'honneur du mariage de ma fille. Grazie, grazie. Prego. Confie ça à Clemenza. Qu'ils prennent des types solides, pas des nerveux qui perdraient leur sang-froid. Après tout, nous ne sommes pas des tueurs, malgré ce que ce croque-mort s'imagine.